Pourriez-vous nous résumer votre parcours académique et dans le parti? Oui, ben, moi j'ai fait marketing et communication à Bruxelles, à l'Institut de carrière commerciale. Je suis marié, père de 5 enfants. Voilà, donc implicitement vous vous portez en faux contre ceux qui vous accusent de n'être que le fils de votre père. Oui, mais il faut laisser dire, moi, je m'en fous ça. Pensez-vous, en regardant le peuple congolais droit dans les yeux, que M. Kabila va partir? Oui, non seulement je le pense, mais je le crois et je m'y active. C'est un tricheur, c'est quelqu'un qui s'est imposé contre la volonté de la population. Sa place n'est pas là, c'est un imposteur. Sa place est soit en prison parce qu'il a triché, soit en dehors des institutions, mais en tout cas, elle n'est pas là. Et nous nous battons. Nous nous battrons pour que cela arrive. Quand j'aurai terminé ma mission ici, je rentre au Congo pour continuer le combat sur le terrain. Il doit partir. C'est un imposteur. Je le dis.